Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la caille. Nous voulons porter pour un update qui sorti au niveau de immigration, puisque nous connaissons que le pays a marché en ralenti. On dit que pour un pile côté le fait, et qui ça cap fait? Je ne connais pas, nous avons un update, yo. Pas de fingerprint, pas de appointment pour interview. Et il y a des gens qui demandent ça cap passé pour Haïti. C'est même gens tout. Sous un dossier pour Haïti, là, tout bagaille campé dans le moment. C'est ça, vous comprendre? Et donc, il est clair que pour Haïti, pour tout l'autre côté, des Américains cherchent les citizens qui abordent pour entrer dans le pays. Parce que, je ne comprends pas, on a traversé un moment qui difficile. C'est ça pour nous comprendre. Là, okay? Maintenant, qu'en est-il de dernières décisions qui se tiennent dans l'USIS? D'abord, nous te dit, l'information, c'est que, il faut qu'on ait que, on a dit, ou même qu'on est là, à côté que nous connaissons des fois, fort souvent, vous voyez, demander ou un request for evidence. Yo ka rele le tout notice of intent to deny. Ce qui s'allie fort souvent ou font application ou tande ou voye mande au dossier. Normalement, comprenez bien. Chaque fois ou mande ou voye un dossier, il y a plusieurs raisons. Bien entendu. Gen des fois c'est fort. Parce que moun kap fait application, hein, li pa kon domaine nan bien. Gen des bagages li voye dossier. Il voye qui manquait. Dossier insuffisant. Et ça rele request for initial evidence. Donc comprenez, tant que moun kap bon bagage pour marier femme. On y prend avec mariage et puis, that's it, li fini. Donc, il y a des gens qui font des catastrophiques. By the way, il faut me dire ça. Et il faut me sérieux ce dossier. Parce que moi, il y a des cas où des officiers ont tout deny. Ils ont tout deny. Parce que c'est vrai que ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y a des gens qui font un adjustment of status et vous ne pouvez pas faire des vidéos de support. Et vous ne pouvez pas travailler là. Ok? Ou pas justement apprendre libre sous dossier ça. D'accord? Maintenant, qui ça qui sorti là? Gagne ensemble de request for evidence demandé. Gagne yo le yon notice of intent to deny. Ça veut dire gagne c'est des bagages. Avant yo bon deny yo voye mande dossier yo bon chance. Vous comprenez? So pour tout dossier ça yo, que ce soit request for initial evidence, que ce soit notice pour intent to deny. Donc là bon généralement yo kon di par exemple ou gagne 86 jours 87 jours. Mais ça gagne là, c'est que, compte tenu de problèmes que vous connaissez, que vous avez traversé un peu partout, vous ajoutez n'importe 60 jours sous lit. Ça veut dire, après 87 jours, vous avez 60 jours. Le plus souvent, généralement, vous avez 87, whatever de jours, vous avez 60 jours. C'est 87 jours, donc vous partez pour 140 jours. Ok, 140 jours, nous, là, vous avez plus. Vous avez presque dans 5 mois. Ou beaucoup 5 mois, non, mais presque dans 5 mois. Ok? Donc, on dit ou gen 4 mois avec plusieurs semaines d'elle. Yo ba ou pour dégager ou pour démelo suivant papier que yo mando là. Pour dégager ou pour voir l'aller. Maintenant, et tout hier, moi t'a posé question. Mais, et moun que yo deny que yo kon bay 30 jours. Moi t'a gen évidence parce que au départ, USCIS te voye information pour simplement s'en darle. Le ou mande request for initial evidence. Request, tout request yo. Tablier que request ça c'est la différence avec lorsque yo kon yo dou yo bon droit pour appel parce que tout cas que yo bon deny ou supposé gen droit pour appel. Donc on t'a dit que yo gon I-485 que yo deny. Généralement yo dit ou ka full form ça qui relé I-290B et yo généralement bon 30 jours et qu'on a toujours. Ça t'a dit qu'on est là en guise de 30 jours yo mette 60 jours pour lui. Donc en clair, généralement il y a toujours écrit sur page là que vous avez 30 jours pour faire appel, mais vous avez la compteni de problème là, ou avez 2 mois en plus. En d'autres termes, ou avez 90 jours pour capable appel, justement, si vous avez deny une application quelconque que vous fait. Maintenant, ça m'a dit pour un pile monde. Il faut souvent constater, que des fois, vous avez deny ou pas recevoir deny là. C'est un bagage qui est illégal, c'est droit pour faire ou avez droit full Freedom for Information Act. Ok, pour demander pour tout besoin, ouais, dina là, pour qui raison? Parce que c'est droit pour café à pile là. Je suppose qu'il faut joindre et dina là. Ok, et ou gen droit pour faire à pile, toutes les fois qu'on sentit que c'est injustice, parce que notamment, on ensemble de cas à faire là, de ces. Surtout en pile, mon coup de CPS, c'est dernier jour, il y a fait injustice que y a dina yo, alors que statut, à bon, vous voulez rappeler pour tout le monde, il y a un statut qui relève les CPS, son statut lié. Le moment de monde qui statue ou TPS.
Donc, ou pas un moun en removal pendant ce TPS ça. Ou pas un moun en removal, c'est l'or qui te TPS ça. Tout autant que TPS a existé, ou gon statut qui relè TPS, et statut ça a bon certains droits. Et parmi les droits, c'est que ces droits pour capable adjust status. Nous voyons USCIS entrer dans logique, on pile moun qui fait application ba yo, tombe abdina yo souban. Ça, moun sa yo, c'est pour mettre consonant yo à pile, et puis montrer nèg yo du droit. Montrer yo loi. En fait, il y a une émission spéciale pour me faire ça. Pour montrer nous loi, A plus B, mais tout ça gagne, ça dit PS. S'il le faut que Walna a pile ou même fait, prend quoi pour Walna, même fédéral code pour yo. C'est ça lié. Pour vous demander, est-ce que pas gagne loi dans le pays ça? Côté que vous dit, mais ça, si PS a gagne droit, mais ça la loi dit. Donc c'est où pour faire pile si yo pas bon, dinay ou justement? Eh bien, mandez l'aide dinay là. Pour moun yo bali, poursuivre jusqu'au bout. Parce que justement, la loi claire, yo dit, mais tout ça, TPS a gagné droit. Ok, c'est pas ou même qui fait loi. Ok, et donc là, nous avons parlé justement pour moun que yo ta dina, yon ensemble de moun dina. Entre parenthèses, que nous avons ouvert pour un pile moun ces derniers jours, malheureusement, gen de bagan a assisté, c'est surtout non causé à gen naissance. Gen yon ensemble de, m'akon ne, peut-être yon patan dedans, manque expérience, l'on voye à gen naissance ba yo, yo voye mandon l'autre encore. Yo en fait yo peut-être yo pas comprendre réalité Haïti. Nous connaît ici on t'a dit si me besoin aller naissance ici mal dans service statistique là, il y a une pointe on l'autre ban moins qui différent de Haïti. Faut souvent voyer que ça d'achive là-bas yo dou pour voyer l'autre avec naissance ba. Mais en attendant que yo résout ba ça ou bien que yo comprendre ni ou pas gain l'autre choix que aller en Haïti pour mander faire ça relon deuxième expédition. Ça veut dire yo pral bon l'autre avec naissance sous forme deuxième expédition pour ba yo. En attendant que peut-être n'a pas essayé personnellement faire il faut ça pour que moun kap nou essayer comprendre réalité que Haïti leur besoin yon copie de yon lot d'adresse pas gen bail comme ça c'est un lot extrait d'archive y a ba ou. En attendant gen une équipe présentement yon peut comprendre ça qui extrait d'archive là et ça qui passe parce que la vérité pour nous même Haïti chaque fois on besoin un lot document preuve que nous fait ou al extrait d'archive yon une bon copie c'est ça lié n'importe lot ka joine un lot extrait d'archive. Et c'est ça ambassade d'Haïti à connait donc. Mais malheureusement, il y a un ensemble d'employés connait là, ou gen doit voyer avec des licences ba yo, ou tande yo mande on l'autre avec des licences encore. En attendant que yo résout problème ça, que nous clarifier li, advice m'a ban tout, n'a juste mandé yon nan en Haïti, nous mandé yon deuxième expédition pour acte de naissance nous, joignons avec un monde pour faire une deuxième expédition. Et c'est ça peut-être. Vous comprenez pour bon l'autre acte de naissance et ça on gagne comme alternative. OK? En attendant que monsieur dame ça vous comprenne que Haïti par les États-Unis ou pas quand on paraît ou on juste prend ton acte de naissance pour vous. C'est peut-être yon et son bagage sérieux tôt ou tard faut arriver résoudre li et parce que chaque fois yon mette deux gen moun qui écrit deux pieds moun nan sou li pas comprendre ça ou dit là moun pas comprendre niveau acte de naissance yon vous mandé l'autre encore pas comprendre donc son véritable problème ba ça. Donc si vous même capitaine de m'a fait face à la situation ça parce que moi en pile moun qui dans situation ça yo voye acte de naissance yo voye mande l'autre acte de naissance encore ou pas gen l'autre choix que mande faire une deuxième expédition de acte de naissance les alli ou font deuxième expédition et ça prend petit temps joindre mon en Haïti pour faire ça pour qui pour bon deuxième expédition pour gon l'autre acte de naissance et pour voye ba yo c'est ça gagne comme option dans causer ça c'est malheureux pour que nèg yo vinn ou ba la en gens et vous tendez chaque mois plusieurs monde comme ça y a pas demandé l'autre acte de naissance vous comprenez. Il n'y a pas demandé on l'a dit ça ce qui c'est un véritable problème. En tout cas justement pour une devine faire pour là c'est justement pour tout le monde qui a recevoir parce que ça me dit que USCIS fait mal pas recevoir monde mais sous grand dossier on continue à process là on va comprendre. Donc sous grand dossier on continue à process li request for evidence. Donc ça pour comprendre c'est que date yo ba ou pas besoin gagne quelque casser ou gagne 60 jours en plus. Ça veut dire ou gagne 60 jours en plus pour dégager ou démêler pour bail ça y a mando là même j'en tout si pour faire appel ou gain 60 jours en plus pour capable faire appel par rapport à la décision qui reprend. OK, nous souhaitons que nous comprenons ça. J'aime toujours dire rebrancher avec nous les toutes dernières nouvelles, toutes dernières informations qui ont rapport à l'immigration mais tout qui ont rapport avec Jean Bagayo a passé de nous connaît le monde est en crise présentement et bien nous là pour nous apporter pour les toutes dernières informations de ça qui a sorti à rappeler que nous voulons dire que deadline là Donald Trump prolongé, il m'a déjà même rappelé tout le monde, c'est 30 jours. Il a parlé de. Il avait dit nous là pour jusqu'à fin mois d'avril. Ok? Et d'après, il dit que
après fin mois d'avril là que nous pas parce que moi pas connais dans deux semaines yo dit nous pral prendre pic nous quand ça veut dire pic maximum nous pral prendre pic pas oublier que quand on gagne n'importe 130 combien mille monde qui gagne maladie malheureusement aux États-Unis et grand pile en fait les n'a regarder non bio peut-être fait mal yo parlé de à peu près 100 000 moun ki ka mouri, bon c'est ça qui dit mes amis, nous bon ou de gens liés à, yo parle de 1 million, 2 millions de moun ki capable infecté, c'est terrible, mais nous voulons dire pour tout le monde, la répéter encore, il pas dire que obligé mouri, même là ou dit 100 000 moun ka mouri, il faut qu'on ait que ici, gon bon moun ki déjà maladif déjà, ou ka comprendre ça, si moun a déjà maladif déjà l'entre sous lit, le plus souvent maladie a pas bonne chance, pour gagner toute qualité maladie, c'est dire là j'ai un système immunodéficience ou faible, depuis le vaisseau, le besoin de cas à l'avant. Et nous connaissons ici, nous sommes mal nourris. Nous n'avons pas bien mangé, il y a peu de manger. Et il y a Friba à manger toute vie. Burger King qui vient faire que vous pas healthy. Et les maladies qui arrivent sur le cas à l'avant. C'est ça pour comprendre. Donc, restez positif, c'est vrai qu'on apprend. Il est clair qu'on est là, qu'on apprend. Parce que vous parlez de millions de monde qui sont infectés. Mais il ne veut dire que vous mourir pour autant. Ok? Donc voilà, nous avons un update pour vous. Restez branchés, connectés avec nous, puisque nous-mêmes avons partagé l'information pertinente à vous. Portez-nous bien. Bye bye tout le monde.